Saisi par l'Esprit de Dieu, avec pour ordre de mission la libération et la transformation des âmes. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous êtes sur le point d'écouter le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zang, apôtre des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et partout dans le monde. Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visité. Jérémie chapitre 51 verset 25. Jeremiah 51 verse 25. Il est écrit: voici, j'en veux à toi montagne de destruction. Dieu a un problème contre les montagnes de destruction. God has a problem against destroying mountains. Ces personnes qui se placent devant vous seulement pour vous détruire. The people standing before you only to destroy. J'ai entendu des gens me dire homme de Dieu. I heard people say man of God. Je ne dois rien à personne. I owe nothing to somebody. Mais celui qui est comme une montagne de destruction, lui te doit. But he is like a destroying mountain or something to you. He wants to destroy you. Lui veut t'arrêter. He wants to stop you. Lui détruit tes enfants. He wants to destroy your détruit children. Tes affaires. Destroy your business. Il n'y a que Dieu qui doit se lever contre lui. Only God must rise against him. Et Dieu dit. And God says. Je t'en veux toi montagne de destruction. I am against you destroying mountain. Je t'en veux toi montagne de destruction. I am against you destroying mountain. À toi qui détruisais toute la terre. To you who destroyed the whole earth. Il y a des montagnes qui ont pour mission de détruire. Some mountains have the mission to destroy. Lorsque nous parlons des montagnes, nous disons ce sont des personnes. When we talk about mountains, they are people. Ce sont des systèmes. They are systems. Ce sont des esprits. They are spirits. Mandatés par l'ennemi. Mandated by the enemy. Pour se mettre devant de toi. To stand before you. Pour t'empêcher. To stop you. D'accomplir. To fulfill. Ce que Dieu t'a demandé de faire. The mission of God for your life. Et Dieu dit. And God says. Je t'en veux. I am against you. Continue. J'étendrai ma main sur toi et je te roulerai du haut des rochers et je ferai de toi une montagne embrasée. Et je ferai de toi une montagne embrasée. I make you a burnt-out mountain. Nous allons suspendre ce programme. We'll suspend the program. Sur les montagnes pour parler d'autre chose. A mountain to talk about or something. Mais nous allons consigner ces enseignements dans un livre toujours. We are going to write the teaching on the book. Et nous pensons que l'Église pourra bénéficier de cette révélation. And we think the church will benefit from this revelation. Mais ce matin nous commençons sur la troisième trompette. This morning we are talking about the third trumpet. Le troisième chauffard. The third ram's horn. Église, lorsque Dieu appelle le peuple de Dieu. When God calls the people of God. À sortir de l'Égypte. To come out from Egypt. Il leur demande d'aller dans le traverser le désert. He asks them to cross over the wilderness. Pour aller à Canaan. To go to Canaan. Mais pour entrer à Canaan, il faut traverser Jéricho. But to enter, they have to cross over Jericho. Pour entrer dans la bénédiction, il faut traverser des murailles. To enter the blessing, you have to cross over walls. Pour entrer dans ce que Dieu t'a promis, il faut traverser des obstacles. To enter the promise of God, you must cross over Mais obstacles. Dieu God ne fait pas que son peuple traverse ces obstacles. Doesn't make the people to cross over. Pour rien. For nothing. Simplement. Only. Il demande au peuple de prendre sept chauffards. He asks the people to take seven rams. Ceux qui nous écoutent ce matin pour la première fois. All those who are watching us for the first time this morning. Prêchons en ce mois sur le mystère du chauffard. We're preaching this morning on the mystery of the ram's horn. Le chauffard en hébreu veut dire simplement trompette. Ram's horn means trumpet in Hebrew. Mais Dieu a
institué cet instrument. God installed that instrument pour convoquer son peuple, to summon his people, pour convoquer ses enfants, to summon his children, parfois pour les amener à la repentance, attempt to bring them to repentance, parfois pour les préparer à la guerre, attempt to prepare them to make war, parfois pour leur annoncer de très bonnes nouvelles, attempt to announce them good news. Lorsque Dieu demande au peuple de posséder Jéricho, when God asks the people to possess Jericho, il demande à Josué de mettre devant du peuple 7 sacrificateurs. He asked Joshua to place 7 sheep. Et les 7 sacrificateurs, chacun avait un chauffard. And the chief priest, each of them had one ram's horn. Nous avons expliqué que chaque chauffard a un objectif. Each ram's horn has one objective. Chaque chauffard a une mission. Each ram's horn has one mission. La Bible dit dans le livre de Psaume, the book of Psalms, heureux le peuple, happy the people, qui entend la voix du chauffard. Blessed are those who hear the voice of the ram's horn. Heureux le peuple qui entend le son du chauffard. Blessed are those who hear the sound et of the ram's horn. Dans Apocalypse chapitre 1, Revelation chapter 1, la Bible dit, the Bible says, l'apôtre Jean dit, Apostle John says, et j'entendis la voix de l'Éternel, and I heard the voice of the Lord, au verset 10, verse 10, qui sonna comme un chauffard. Resounding like a ram's horn. Lorsque Dieu donne le chauffard au sacrificateur, when God gives the ram's horn to the chief priest, c'est pour parler de sa part. It is to talk about et his lorsque words. Nous parlons de la part de l'Éternel, when we talk about the word of the il y a Lord, des signes prophétiques qui se manifestent. Prophetic signs that manifest. Lorsque nous sommes arrivés dans le livre d'Apocalypse chapitre 8, in the book of Revelation chapter 8, après que le septième sceau ait été ouvert, after the seventh seal has been opened, les anges aussi ont pris les chauffards. The angel took the ram's horn too. Le premier ange a sonné le premier chauffard. The first angel sounded the first ram's horn. Le deuxième ange a sonné le deuxième chauffard. The second angel the second ram's horn. Lorsque le premier ange a sonné le premier chauffard, when the first angel sounded the first ram's horn, la grêle est tombée. We fell down. Ils ont prêché dessus pendant des jours. We preached on it during days. Lorsque le deuxième ange a sonné le deuxième chauffard, when the second sounded the second ram's horn, la montagne a été embrasée. The mountain was burned. Ce matin nous commençons le mystère du troisième chauffard. This morning we start the mystery of the third ram's horn. Apocalypse chapitre 8, Revelation chapter 8, verset 10. Il est écrit, le troisième ange sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Et beaucoup d'hommes mourirent par les eaux. Many people died from the waters. Parce qu'elles étaient devenues amères. Because they had become bitter. Nous entrons dans un moment de prière. Entering the moment of prayer. Pour combattre un esprit géant. To fight a giant spirit. Un démon puissant. Powerful demon. Qui en réalité était comme une étoile. That in reality was like a star. Et qui s'appelle Absinthe. But called Wormwood. Oui, les démons ont des noms. Yes, demons has names. Les esprits ont des noms. Spirits have names. La Bible dit que le diable était appelé astre brillant. The Bible said the devil was a brilliant star. Même le diable aussi était comme une étoile. Even the devil was like a star. Mais ce démon qui est tombé du ciel. But that demon that fell from heaven. Ce démon qui est tombé du ciel, that demon that fell from heaven, s'appelle Absinthe. It's called Wormwood. Cette semaine, nous allons prier contre cet esprit. This week we are going to pray against that spirit. Et ce matin, nous allons introduire ce mystère. And this morning we introduce a mystery. Vous allez comprendre que vous ne pouvez pas manquer ce programme. You will get you couldn't miss this program. La Bible dit que lorsque le chauffard a été sonné, when the ram's horn was sounded, il est tombé du ciel, fell from heaven. Église, ce que vous devez savoir, what you have to know, church, c'est que le Dieu que nous servons est établi au troisième ciel. Our God is established in the third heaven. Au deuxième ciel, il y a des esprits. The second heaven, il y a spirits, des démons qui sont positionnés là. That are placed there. Et au premier ciel, and the first heaven, les avions peuvent circuler. Plane can move. Et lorsque le chauffard a sonné, and when the ram's horn sounded, le démon, the demon, l'esprit, the spirit, l'étoile, the star, appelé Absinthe, called Wormwood, est tombé dans les eaux. Fell in waters. Il n'est pas allé dans l'enfer. It didn't go to the hell. Il est tombé dans les eaux. It fell in waters. Il est tombé dans les eaux. It fell in waters. Et la Bible déclare. And the Bible declares. Le tiers des eaux fut changé en absinthe. A third of the waters turned bitter. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux. Many people died from the waters. Parce qu'elles étaient devenues amères. That had become bitter. Absinthe vient du mot hébreu lana. One will come from the Hebrew word lana. Qui veut dire amertume. Meaning bitterness. Qui veut dire poison. Meaning poison. Église, tu peux commencer une affaire. Church, you can start a business. Tu peux commencer une relation. You can start a relationship. Tout se passe bien. Everything happens well. Mais lorsque l'esprit absente. When the one womb spirit. Lorsque l'étoile absente. The one womb star. Agit dans ta vie. Acts in your life. Il vient semer le poison. It comes to sow poison. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez certaines personnes qui s'entendaient hier. That's the reason why some people agreed yesterday. Subitement, à cause d'un problème banal. Suddenly because of a
banal problème. À cause d'un problème qu'on peut arranger. Because of a stupid problem. À cause d'une situation qu'on peut régler. Because of a situation we can fix. Deviennent de pires ennemis. Become enemy worse. Si tu remarques dans ta vie. If you notice in your life. Si tu remarques bien dans ta vie. If you notice in your life. Il y a des gens. There are some people. Avec qui tu peux te remettre ensemble. With whom you can gather again. Avec qui tu peux traiter ensemble. With whom you can deal again. Et vous haïssez tellement. But you have misunderstanding. Mais quand tu regardes bien. And when you look well. Il n'y a même pas de haine. There is no hatred. C'est ce démon qui a mis la main dans l'affaire. That demon laid his hand in the matter. Si tu remarques quelques années en arrière. If you notice some years il y a before, des dizaines de personnes. About 10 people. Avec qui tu t'entendais tellement. With whom you agreed so much. Avec qui tu étais tellement soudé. With whom you were so united. À cause de cet esprit. But because of that spirit. Les problèmes sont venus. Problems occur. Si l'église ne fait pas attention. If the church doesn't pay attention. J'ai vu beaucoup de personnes être ensemble. I've seen many people being together. J'ai vu beaucoup de personnes confesser. I've seen many people confess. Je ne te quitterai jamais. Never will leave you. Je t'aime à la folie. I love you so much. Et je te considère comme mon bijou. I consider you like my jewel. Dans les temps d'amour, in the time of love, vous donnez toute qualité de nom. You give yourself any mais kind of name. Ce que vous ne savez pas, what you don't know, c'est que absinthe est là. One word is there. Pendant que tu es dans tes amours avec ton amoureux, while you're in your love with your lovers, pendant que tu es dans tes amours avec ton amoureuse, in your love with your lover, méfie-toi absinthe. Distrust one word. Et si absinthe a mis sa main dans ton affaire, if one would lay his hand in your matter, et que Dieu veut que les choses soient restaurées, and God wants the things to be fixed up, cette semaine cette affaire sera restaurée. This week it shall be fixed up. Cette semaine cette affaire sera rétablie. This week it shall be reestablished. Église, si Dieu doit passer par ton patron pour t'élever, if God must use your boss to elevate you, et que absinthe est venu mettre son poison, and one would place his poison, ton patron va te voir comme son ennemi. Your boss will see you like his enemy. Si Dieu doit passer par ton frère, même père, même mère, if God must use your own brother, pour te donner cet argent pour lancer ton business, to give you the money to start your business, ou il doit passer par ton oncle pour te financer, must use your uncle to finance you. Absinthe a mis sa main dans l'affaire, and one would lay his hand in it. Ton patron, ton frère, ta soeur va te prendre comme son adversaire. Your boss will take you like his adversary. Église, laisse-moi te dire que cette semaine, let me tell you church this week, tout ce que ce démon absinthe, everything that demon one would, introduit dans tes bonnes relations, has introduced in your good relationship, introduit dans tes bonnes relations, has introduced in your good relationship. Ce poison sera enlevé au nom. That poison shall be removed in Jesus' name. Ce poison sera enlevé au nom de Jésus. That poison shall be removed in Jesus' name. I help people. Je m'en fous. I don't care. Je m'en fous. I don't care. Un de perdu 10 de retrouver. One who's lost 10 will be recovered. Mais laisse-moi te choquer. But let me shock you. Il y a des gens sur la terre. There are some people on earth. Seulement sa présence. Only the presence of the person. Et pas sa présence de 100 personnes. Is above the presence of 100 people. Yes. Ce qui te donne, what he gives ce you, qui t'apporte, what he brings to you, dépasse tout l'argent que les autres peuvent t'apporter. Is above all the money you can receive from others. Ne dis pas un de perdu 10 de retrouver. Non, c'est one who is lost 10 will quand be recovered. Quand la dispute, when the dispute, quand le problème, when the problem, vient de absinthe, comes from the one wood. Si le problème vient de absinthe, if the problem is coming from the one wood, ce n'est pas Dieu qui a occasionné cette rupture. God is not the one who caused il it. Il faut que la rupture soit restaurée. That separation must be restored. Il faut que la cassure soit restaurée. That separation must be restored. Combien de personnes vous avez perdu dans vos vies? How many people have you lost in your life? Par ignorance. By ignorance. Et quand la séparation commence, vous ne savez jamais. And when the separation comes, you never know. Commence par le jeu. It starts like un petit a game. Refroidissement. A recolding. Un petit refroidissement. A little cooling. Un petit malentendu. A little misunderstanding. Et au fur et à mesure. And so long as you are que going. Les plaques s'écartent. That you are separating. Distance. There is distance. Et quand il y a distance. When there is distance. Une autre personne va s'introduire. Another person will be introduced. D'autres personnes vont s'introduire. Other people will be introduced. Et parfois, c'est l'argent qu'il voulait te donner, il donne à une autre personne. At time he gives the money he wanted to give you to someone else. Et quand tu reviens après, and when you come back after, il n'y a plus l'argent. No longer money. Le travail qu'on voulait te donner, the job they wanted to give you, on donne à une autre personne. They give it to someone et else. Quand tu reviens après, when you come back after, la personne a pris ta place. The person has taken your place. Soyez sage. Should be wise. Il y a même certaines personnes. There are some people even. Quand tu parles les rencontrer, when you go to meet them. Quand tu parles les rencontrer, when you go to meet them. Il te dit, they tell you, je n'ai rien pour toi. I have nothing for you. Dieu peut te parler. God can speak to you. Il repasse encore. They tell you come back again. Les chrétiens abandonnent tellement facilement. Christians abandon so easily. On peut te dire, je n'ai rien pour toi. You can be told I have nothing. For you today. Mais demain il y a quelque chose. But tomorrow there is something. Une sœur me parlait la semaine dernière. The last week a sister was saying. Son cousin lui a promis lui donner les marchés. Her cousin promised her his contract. Après elle me dit papa. Daddy. En tout cas. In all the case, if he doesn't want the leave, I say. Moi là. I. Il ne laisse rien. He will leave nothing. S'il a dit. If he says. Il va donner. He shall give.
Vos histoires, s'il ne veut pas, il laisse là, arrêtez ça. If he doesn't want to leave, stop it. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour. Since the day of John the Baptist and now. Le royaume des cieux est forcé. The kingdom of heaven is forcefully advanced. S'il ne veut pas, il laisse, enlève ça de ton langage. Remove that word from your language. Celui qui a le pouvoir sur celui qui veut. He who has the power and he who wants. Celui qui a le pouvoir sur celui qui veut. He who has the power and he who wants. Dieu qui est ton père. Even God who is your father. Il y a des jours tu demandes. Somebody you ask. Il ne donne pas directement. He doesn't give directly. Pourquoi tu demandes encore après? Why are you still asking after? La Bible parlant du juge inique. That we're talking about the judge. Elle, la veuve a été exaucée. The widow was answered. Pas parce qu'elle avait raison. Not because she was right. Pas parce que le juge était bon. Not because the judge was good. Mais parce que. But because. Elle a insisté. She insisted. Après la prière, after the prayer, lorsque tu vas demander le travail, when you ask for a job, lorsque tu vas demander le visa, when you ask for visa, apprends à insister. Learn how to insist. Une personne à qui on a refusé quelque chose, a person to whom something was refused, et qui a été envoûtée par cet esprit absent, and who was bewitched by that spirit one would, première des choses qui viennent dans son cœur, first thing coming in the heart, c'est l'amertume. It is bitterness. Il commence à haïr le monsieur. He started hating the man. Je peux te choquer ce matin. I can shock you this morning. Il y a des gens dans ta famille. There are people in your family qui sont bien placés, who are well positioned, qui ont refusé de t'aider, they refuse to help mais you, qui vont t'aider, but they will help you. Jusqu'à présent, elles ont refusé de t'aider. Till now, they have refused to help mais you. Je te dis qu'elles vont t'aider. But I tell you, they shall help you. La seule barrière que tu as mis. The only barrier you entre have toi placed et la personne. Between you and the person. C'est l'amertume. Is bitterness. Je disais à cette sœur. I was telling that sister. Si nous sommes devenus ce que nous sommes dans notre famille. If we became who we are in our families. C'est par nos oncles. It is through our uncles. Qui n'aimaient pas les églises. Who were not loving churches. Tu n'aimes pas les églises. You don't love churches. Mais moi, je suis ton neveu. But I am your nephew. Mets église au côté. Put the church aside. Aide-moi. Help me. Que tu sois content ou pas. Whether you're happy or not. Tu vas seulement me donner. You will just give me. Mais toi, parce que tu es dans les églises. But you because you're in churches. Ils m'ont chassé parce qu'ils sont dans les églises. They chased me away because I say I'm in churches. Une sœur m'a dit, papa. And sister told me, daddy. On a, mon oncle m'a envoyé le message. My uncle sent me the message. Qu'il ne me paye pas l'école. He won't pay my school fees. Parce que je suis dans les églises. Because I am in churches. J'ai dit, et puis quoi? I said, and what after? Il te dit qu'il ne te paye pas l'école parce que tu es dans les églises. Tu vas chez lui, tu dis que je veux payer moi l'école. Go to your house and tell him to pay your school fees. Tu me payes l'école pour les églises ou oui, tu me payes l'école parce que je suis ta fille. Do you pay me school fees because I am your daughter? What? Ce sont des fausses raisons. They are fake reasons. Ce sont des fausses raisons. There are fake reasons. Que Absen vous donne. That one would give you. Pour que vous, on vous, pour être empêché. In you to be hindered. De recevoir de l'aide. To receive help. De recevoir le soutien. To receive the support. Être dans les églises. Being in church. N'est pas une insulte. Is not an insult. N'est pas une insulte. Is not an insult. Prier n'est pas une insulte. Praying is not an insult. La première des choses que Absen met dans la vie d'une personne. The first thing one would place is in someone's life. L'amertume. Bitterness. L'amertume. Bitterness. Quand tu commences à avoir de l'amertume avec quelqu'un qui peut te faire du bien. When you start having bitterness against someone who can do good to you. Tu ne recevras rien de cette personne. You will receive nothing from that person. Tu n'obtiendras rien de cette personne. You will get nothing from that person. Je suis en train de parler à quelqu'un. I am speaking to someone. Ouvre ton cœur ce matin. Open your heart this morning. L'oncle, la tante. That uncle, that aunt. L'ami. The friends. Le collègue. The colleague, le partenaire, the partner, le patron, the boss, qui peut te faire du bien, who can do you good, enlève l'amertume dans ton cœur en ce qui le concerne. Remove bitterness in your heart against him. Refuse de détester la personne. Refuse to hate the person. Il y a beaucoup de filles qui ont fait des enfants avec les gars. So many girls had children with guys. À cause de certains problèmes. Because of some problems. Elle hait le gars. She hates the guy. Et elle avait son enfant. And she has the child. Comme la sœur qui a témoigné tout à l'heure. As a sister who testified. Bon, elle n'avait pas l'enfant, mais il y a d'autres filles qui ont leurs enfants. All the girls have their children. Et tout ce qu'elles enseignent à leurs enfants, ton père est méchant. Everything they are teaching to the ton children. Ton père est un sorcier. Your father is wicked. He's ton a wizard. Ton père est un sataniste. He's a satanist. Tu veux que je te choque? You want me to shock you? Les enfants sont bizarres. Children are strange. Tu finis ça à l'enfant? You finish saying it to the child. À 16 ans. 16 years old. L'enfant dit qu'il veut mon père. The child say, I want to see my father. Avec tout ce qui a été fait. With everything I've done to avec you. Avec tout ce qui a été donné. With everything I've given to you. Quand tu grandissais, ton père était où? When you were growing, where was your father? L'enfant s'en fout. The child doesn't care. Je connais un monsieur comme ça, il a pourri l'esprit de ses enfants en ce qui concerne leur mère. And a man who wrote on the spirit of his children votre concerning mère vous your a mother. Mother abandoned votre you. Mère vous a fait ceci. Your mother has done this un moment, during a time, quand les enfants ont eu le bac, when the children ils ont degree, dit, they say, nous voulons notre mère. We want our mother.
tu ne peux pas you cannot empoisonner la vie de ton enfant poison your child's parce que life. La personne avec qui tu as fait l'enfant because the person with whom you have a child problèmes. You have problems. L'enfant décidera lui-même. The child will decide himself. Il va choisir. Who he will choose. Il y a d'autres enfants qui disent je choisis personne. Other children say I will choose no one. J'aime mon père, j'aime ma mère. I love my parents. Tu vas faire quoi? What will you do? Si tu le monsieur t'a abandonné avec l'enfant. The man has abandoned you with the child. Occupe-toi de ton enfant avec amour. Take care of your child with love. Ne pense pas au monsieur qui t'a abandonné. Don't think about the man who has abandoned you. Un jour peut venir. One day can come. Et il décide de faire du bien à son enfant. He decides to do good to his child. Une sœur qui est en Europe, j'ai donné le témoignage ici. It says in Europe, I testified here. Le monsieur l'a maltraité à 9 mois de grossesse, il la tapait comme si elle était sa camarade de boxe. The man ill-treated her so much when she was pregnant. Donc il donnait les coups de poing. Elle vit en Europe. She's living in Europe. Elle travaillait. She was working. Elle faisait tout. She was doing everything. Mais le monsieur, lui, le sport qu'il faisait, but the man, the sport, c'était sur le ventre de sa femme. Was upon the womb. Pas de sa copine, de sa femme. His wife, not his girlfriend. Mariés en Europe. They were married in Europe. Mais Dieu a fait grâce. But God granted grace. Elle a accouché. She gave birth. Et l'enfant qu'elle a accouché, and her child, est un génie. Is a genius. L'enfant qu'elle a accouché, the child, a trop de grâce. Has so much grace. Et Dieu, par nos prières, and God through our prayers, a enlevé la haine dans le cœur de la fille. Has removed the hatred in the heart of the girl. A enlevé l'amertume dans le cœur de la fille. Has removed bitterness in the heart of the girl. Il y a quelques semaines, and some weeks ago, le monsieur s'est levé lui-même. The man rose himself. Il est allé déclarer, went to declare, à l'État, to this government, qu'il veut s'occuper de son enfant. He wants to take care of the child. Pour y verser une pension. To give a money. Environ 300 000 francs CFA 300,000 francs CFA à per month to the child. Lui-même. Himself. Elle va refuser l'argent. Is she going to refuse money? Maman, si tu veux refuser, donne-moi. If you want to refuse, please give me. Non, comme il m'a fait du mal, je refuse son argent. No, because he treated me, I refuse his money. Merci beaucoup. Thank you so c'est much. C'est l'amertume qui te fait ça. It is bitterness that makes it. L'argent. Money. Qui peut aider ton enfant. That can help your qui child. Qui peut t'aider toi-même. That can help you even. Take it. Et l'État lui a dit, and the government told comme her, tu as décidé de le faire, as you decided to do it, tu dois à cette fille, you owe this girl, cet argent, that money, fois 12, multiplied fois by 12, 6 ans, 6 years, fois 6 ans, for 6 years, ça fait environ 20 millions, at least 20 millions, qu'il doit payer, he must pay. Mais si elle avait gardé la amertume dans le cœur, but if she has kept bitterness in her, le monsieur ne serait jamais levé, the man would have never rose. Déclarer qu'il veut s'occuper de l'enfant. Si vous gardez l'amertume dans vos cœurs envers ceux qui vont faire du mal, if you keep bitterness in your heart towards those who hurt you, et que Dieu prévoit que ces personnes vous fassent du bien demain, and God plans that the people will do good to you tomorrow, le bien ne sera jamais possible. The good will never be possible. Église, church, l'apôtre Paul, Apostle Paul, s'appelait Saul. Was called Saul. Il a maltraité les chrétiens. He ill-treated the Christians. Il a tué les chrétiens. He killed the Christians. Mais tu sais quoi? But do you know what? Quelque temps après, sometime later, ses enseignements, his teaching, ses prières, his prayers, ont béni les mêmes chrétiens. Have blessed the same Christians. Tous ceux qui ont gardé l'amertume envers Paul, all those who kept bitterness toward Paul, n'ont pas bénéficié de la grâce de Paul. Didn't profit from the grace of Dieu Paul. Dieu est bizarre. God is strange. Parmi les sorciers, among the wizards, il y a des sorciers qui peuvent devenir pasteurs. Some can become pastors. Parmi les satanistes, among the satanists, il y en a qui peuvent devenir prophètes. Some can become prophets. Mais si tu as gardé la amertume en ce qui le concerne, if you can bitterness against tu ne him, pourras pas recevoir. You could not receive. Tu peux t'imposer. You can compel yourself. Je veux dire, tu ne peux pas obliger quelqu'un. You cannot oblige someone. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un. You cannot impose to someone. De t'aimer. To love you. Mais tu peux t'imposer à toi. But you can compel yourself. De l'aimer. To love him. Tu peux t'imposer à toi d'aimer tout le monde. You can compel yourself to love everybody. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à l'église. Many people when they come to the church. Tu sors d'une église où on t'a blessé. You left the church where you were tu hurt. Tu sors d'une église où on t'a même escroqué. Where you were even crooked. Aime-les. Love them all. Aime-les. Love them all. Tu sors d'une relation où le gars t'a fait ça dur. You were coming from a relationship where you were treated. Love. Et continue ta route. And keep on going. Parce que chaque fois que tu détestes, because each time you hate, tu mets une barrière. You put a barrier.
Quand tu hais une personne, when you hate someone, tu hais tout ce que cette personne peut posséder. You hate everything the person can possess. Et tu hais toutes les personnes connectées à la personne. And you hate also all the persons who are connected to the person. Comme tu détestes ta tante là. As you are hating your aunt. Dieu peut avoir décidé que c'est la fille de ta tante qui te fasse du bien. Maybe God has decided that the daughter of your aunt does good to Dieu you. Dieu peut avoir décidé que la fille de ta tante qui va dans une église. Or the daughter of your aunt that is going to son church. Son mariage va décanquer les mariages des filles de la famille. Her marriage will move the marriage of the girls of the family. Mais tu as un problème. But you have tu a problem. Es you are the mother. Tu détestes sa mère. You hate the mother. Donc toute bénédiction liée à sa fille. So every blessing linked to the girl. Tu ne peux pas bénéficier. You cannot profit. C'est un devoir. It is a duty. D'annuler l'amertume dans ton cœur. To nullify bitterness in your heart. De détruire l'amertume dans ton cœur. To destroy bitterness in your heart. Qu'aucune racine d'amertume. No root of bitterness. Ne soit trouvée parmi vous. Must be found among aucune you. Qu'aucune racine d'amertume. No root of bitterness. Parce que l'amertume que tu as envers une personne ne changera pas ce que cette personne est. Because the bitterness you have towards someone will not change who the depuis person que is. Depuis que tu détestes le père de ton enfant, il a arrêté de prospérer. Since you are hating the father of your child, did it stop being prosperous? Depuis que tu détestes la mère de ton enfant, elle a arrêté d'avancer. Oh, the mother, did she stop moving? Haïr une personne, hating someone, détester une personne, hating somebody, te fait du mal à toi-même. It is hurting yourself. Surtout si Dieu avait la personne. Almost if God is with the est-ce person. Est-ce que tu sais que l'apôtre Pierre, you know, the apostle Peter, n'aimait pas Paul? Was not loving Paul. Mais Dieu s'en fout de la vie de Pierre. But God doesn't care about Peter's life. Pour bénir Paul. To bless Paul. Ton pasteur peut me haïr. Your pastor can hate me. Mais Dieu s'en fout de son avis. But God doesn't care about his opinion to bless me. Les hommes peuvent te détester. Men can hate mais you. Mais Dieu s'en fout de leur avis. God doesn't take care pour about his opinion to bless puis, you. Il y a beaucoup de personnes. There are many people church. Absent dans leur vie. Who have wrong mood in their life. Contrôle leur vie. They control et their life. Et ces personnes te détestent. And such people hate ces you. Personnes jurent matin, midi, soir. And they swear every son day. Son ministère va tomber. His ministry will fall. Sa relation va être brisée. Sa relation va s'arrêter. Mais ce que ces personnes ne savent pas, c'est que l'onction d'absinthe dans leur vie n'empêche pas à l'onction de Dieu d'agir dans ta vie. Même si tout le monde entier te hait, même si tout le monde entier te hait, même si tout le quartier te déteste, même si dans l'église où tu vas, dans le groupe où tu es, les gens ne t'apprécient pas, parce qu'ils sont invités par absinthe. Et puis laisse-moi te dire, Dieu s'en fout de absinthe pour te bénir. Dieu se met envers toi. Naomi avait un problème. Had a problem. Elle a perdu ses enfants. She lost her children. Elle a perdu son mari. She lost her husband. Et elle a dit ne m'appelez plus Naomi. No longer call me Naomi. Ruth chapitre 1. Ruth chapter 1. Appelez-moi amertume. Call me bitterness. Église, il y a beaucoup de personnes. There are many people too. Lorsque tu es déçu, when you are lorsque tu as des problèmes, when you have problems, l'amertume remplit ton cœur. Bitterness fills your et tu heart. T'appelles Marie. And you are called Mary. Tu t'appelles Mara. You are called Mary. J'ouvre une parenthèse. Open a bracket. Lorsque tu t'appelles Marie, when you are called Mary. Marie n'est pas un bon nom. Mary is not a good name. Marie n'est pas un bon nom. It is not a good name. Marie parce que c'est la mère de Jésus. Mary because mais Jesus je vais te choquer tout à l'heure. I want to shock you no même what? Si elle était mère de Jésus, even if she was mais Jesus elle mother, a vécu dans l'amertume. She lived in bitterness. Elle a vécu dans les problèmes. She has lived in à cause du nom qu'elle avait. Because of the name she had. À l'époque du peuple d'Israël, at the time of the Israelites, les noms étaient donnés en fonction des situations par lesquelles les parents passaient. Names were given depending of situations. Donc si le monsieur qu'on appelle Osée, if the man called Osea, accouche un enfant. His birth to a child, il donne le nom gives a name, en fonction de ce que Dieu lui a dit. Depending on what God told le nom est donné the name is given, en fonction de ce qu'on vit. Depending on what we la live. Bible déclare Bible declares, que Naomi a dit à partir de maintenant Naomi said, changez mon nom change my name, appelez-moi Mara call me Mara parce que Dieu because God m'a brisé le cœur. Broke my heart. Il y a quelqu'un ici there is someone ton here. Cœur a été brisé the heart was broken. À cause des échecs because of failure. À cause des problèmes because of problems. À cause des non-accomplissements because of non
à cause des trahisons. Je vais dire à quelqu'un, l'onction de Mara, l'onction de Marie, l'onction de Absinthe, ça a été vécu dans ton cœur. Même si tu as été trahi, même si tu as été humilié, même si tu as été rejeté, cette semaine qui commence, l'onction d'Absinthe va te quitter. Je prophétise, ne sois pas contaminé. L'onction de Mara, l'onction de Absinthe, je te libère ce matin. Je te sépare ce matin. Mais tu vas quitter ton cœur. Tu vas quitter ton cœur. Tu amènes bien. À cet homme, ils ont Ruth. Ruth chapitre 1, verset 20, qu'il est écrit. Oui. Elle leur dit. Elle leur dit. Ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et dans l'absinthe, d'abord l'amertume. First of all, there is bitterness. C'est la première des choses. It is the first thing. Appelez-moi Mara. Call me Mara. La Bible dit, il y avait la famine à Bethléem. It was famine in Ils Bethlehem. Ont quitté Bethléem pour aller dans le pays de Moab. To go to the Moab. Et là-bas, les problèmes. And their problems. Et les problèmes. Problems. Elle a perdu son mari. She lost her Elle husband. A perdu ses deux fils. She lost her sons. Elle a perdu tout. She lost everything. Je ne sais pas ce que tu as perdu. I don't know what you have tu as commencé l'entreprise avec quelqu'un. You started the company with someone. Tu as investi. Tu as payé. You have paid. Tu as soutenu des gens. You supported ce people. Sont ces personnes qui t'ont trahi. And the same people betrayed you. Et l'amertume and bitterness a rempli ton cœur. Filled your heart. Une amie que tu as pris dans la maison. A friend you lost in your house. Elle a dormi sur ton lit. She slept on your bed. Mais elle a pris ton sous-vêtement. She took you underwear. Elle allait pratiquer chez les marabouts. She went to practice with the Aujourd'hui, tes relations sont brisées. And today your relationship le cœur est rempli de Mara. Heart is filled of Mara. Le cœur est rempli d'absinthe. Heart is filled of Mara. Il y a des gens qui m'écoutent ce matin. People are listening to me Peut-être this morning. Tu n'es pas dans la salle. Maybe you are not Mais in the room. Tu es à la télé. But you're watching. Tu as fait du bien aux gens. You have done good to tu as payé l'école aux gens. You paid your tu as soutenu les gens. You have supported tu as conseillé them. Les gens. You have tu as financé les gens. You have financed them. Aujourd'hui, parmi tes ennemis, And to them, your enemies. Ce sont ces personnes qui prennent des informations who take information pour aller alimenter tes ennemis. To feed your enemies. Le cœur est rempli de Mara. Heart is filled of Mara. Parce que tu as été fléché par Absinthe. Because you were arrow by Et dit, cette semaine, c'est ta semaine. So this week is your week. Absinthe sera terrassé dans ta vie. Well, Amen. Mara va quitter ta vie. Mara shall Amen. Live your life. Tu ne peux pas être béni si Mara continue à contrôler ta vie. You cannot be blessed if Mara is still controlling your life. Tu ne peux pas être béni si Absinthe continue à influencer ta vie. Or if one would still influence your life. Le grain m'a rempli d'amertume. The Almighty filled me with bitterness. Perdre quelque chose de valeur. Losing something that has value. Conduit à l'amertume. Leads to have bitterness. Perdre quelque chose qui coûte cher. Leads to something that is expensive. Conduit à l'amertume. Leads to have bitterness. Je me rappelle quand notre maman est décédée. When our mother died. Subitement. Suddenly. Non, mon cœur était rempli d'amertume. My heart was full of bitterness. J'en voulais à tout le monde. I wanted to. Apaiser le cœur. But God will lead Église, me. Même si tu as raison, even if you are right, church, tu te donneras toujours tort. Bitterness will make you wrong always. Même si tu as raison, even if you are toute right, décision que tu prends, every decision you take, dans un état d'amertume, in a time of bitterness, tu tort. You will be wrong always. Quand ne vous ment pas, do not be deceived. Toutes les paroles qui sortira de ta bouche, every word you will avec release, vous sous, with the sauce, l'amertume, with sauce bitterness, tu auras tort. You will be Dieu wrong. Ne sera jamais avec toi. God will never be with you. On m'a licencié abusivement. I was dismissed. Dieu ne sera jamais avec toi. God will never be with Même you. Si t'ont fait quoi. No matter what they have J'ai done. J'ai toujours dit église. I always say church. L'objectif de Satan. The objective of Satan. C'est pas seulement de vous tuer. It's not only to kill you. C'est vous rendre méchant. But to make you wicked. Le mal qu'on te fait, c'est pour te rendre méchant aussi. They do to you to make you pour wicked que tu fasses aussi le mal aux autres. For you to do evil to others. Et quand tu commences à faire le mal aux autres, and when you start doing evil, tu es un fils de Satan. You are a son of Absinthe Satan. Est tombé sur toi. One would fell upon you. La Bible dit, the Bible says, les parents de Moïse the word of Moses se retrouvent en Égypte, are in Egypt, et le premier enfant qu'ils accouchent, and the first son c'est Aaron. Is Aaron. 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 Et pendant qu'ils accouchent Aaron, while they are giving birth to Aaron, la lumière de Dieu, light of God, ils sont bénis, they are blessed, les choses avancent. Things are moving, mais entre-temps, but in time, un deuxième pharaon est arrivé. A second pharaoh came. Un deuxième pharaon est arrivé. A second pharaoh came. Il a commencé à durcir. He started hardening. Il a commencé à rendre les travaux difficiles. He started hardening Il a work. Commencé à leur rendre la vie difficile. He started making their life Et c'est difficult. En ce temps que la mère de Moïse tombe enceinte. And that Moses' mother fell pregnant. Elle accouche une fille. She gives birth to a girl. Elle l'appelle Mara. She calls Mara. Donc même si par hasard ta mère t'a appelé Marie, even if by chance your mother called you Mary, fait du bien, she has not done good to you. Elle t'a pas fait du bien. She has not done good. Elle t'a connecté à l'amertume. She has connected you to bitterness. Pour ça qu'il y a des gens. That's why there are people. Joyeux. Happy. Subitement. Suddenly. Amen. Bitter. Content. Proud. Subitement. Suddenly. Fâché. Angry. Tu quittes de la joie. You leave joy. À la colère. From angry. Sans transition. Without transition. Il te faut la délivrance. You need deliverance. Il
te fait la délivrance. You need deliverance. C'est pas normal. It is not normal. C'est pas normal. It isn't normal. Quel est le sentiment qui domine le plus chez toi? What kind of feeling is ruling the most? C'est la joie ou c'est l'amertume? Joy or bitterness. Tu vois quelqu'un? You see someone? Pourquoi tu as la face comme ça? Why is your face like c'est this? Comme ça que je suis né. That's how I am born. Personne ne naît comme ça. No one is born like this. Mm. Toujours nerveuse. Always nervous. Toujours nerveuse. Always nervous. Tu as l'amertume. You have bitterness. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. The words speak. Pour savoir ce qu'il y a dans ton corps, regarde ton visage. If you want to know what is in your body, look at your face. Les parents de Moïse, parents of Moses, ont aussi reçu l'amertume. Have received bitterness. Est-ce que tu sais que la mère de Jésus, you know, Jesus' mother, vivait dans l'amertume? Was living in bitterness. Quand elle a reçu la prophétie, when she received the prophecy, dans Luc chapitre 1, in Luke chapter 1, elle a fait un cantique. She made a song. Marie était une femme humiliée. Mary was an humiliated. On vous a pas dit ça. You were not mais c'est dans votre Bible. But it is in your Marie Bible. Était une femme rejetée. Mary was rejected. Marie était une femme non considérée. Mary was isolated. Alors qu'elle était issue. Meanwhile, she was coming. D'une grande famille. From a great family. Mais dans cette famille, but in that family, elle n'était pas honorée. She was not honored. Et c'est la raison pour laquelle quand l'ange vient, that's the reason why when il prophétise sur elle, prophesies upon elle pose her. La question. She asks a question. Moi qui? Who I am? Si elle savait qu'elle était quelqu'un, if she knew she was elle n'aurait jamais dit moi qui. She would have never parce said que it. Autour d'elle, because of one heart, on disait à Marie, they were telling Mary, tout le monde peut enfanter sauf toi. Everybody can conceive, but not on peut you. Épouser toutes les filles sauf toi. All the girls can be married. Les filles de ce quartier ont les formes. Toi, tu as quelle forme? The girls of this neighborhood are well shaped. Les filles de ce quartier ont les longs cheveux. Marie, tu as quels cheveux? They have long hair. You don't have hair. Marie n'était pas considérée. Mary was not considered. Marie n'était pas appréciée. Mary was not appreciated. Et lorsque elle fait son cantique, when she sings a song, elle dit des choses à Dieu. She says things to God. Luc chapitre 1. Luke chapter 1. Verset 39. Verse 39. Il est écrit: dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureux de celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Verset 46. Et Marie dit, mm-hmm. « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Il a jeté les yeux sur quoi? Sur la bassesse. Voilà Marie commence à détailler sa vie. Mary started giving details upon her. Marie reconnaissait qu'elle vivait dans la bassesse. She acknowledged she had a humble state. Marie reconnaissait qu'elle vivait dans l'humiliation. She acknowledged she was living in humiliation. Marie reconnaissait qu'elle n'était pas considérée. She recognized she was not considered. Déjà même qu'elle était fiancée à Joseph. She was engaged with Joseph. Joseph n'aimait pas la présenter devant les gens. Joseph didn't like to present her before people. Parce que Marie avait les défauts. Because Mary had defaults. Une femme normale ne devait pas avoir. That a normal woman cannot show. Marie avait des habitudes. She had habits. Que une personne normale ne devait pas avoir. A normal person cannot have. Et elle reconnaît, reprend le verset. Mais Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Ma version dit, il a fait attention à moi, sa servante, sans importance. Mm. Dans la société. In society. Quand tu est sans importance. Well, you have no importance. Ça va te rendre amer. It will make you bitter. Aujourd'hui, today, de plus en plus. More and more. Regardez, il y a certains chrétiens. There are some Christians. Ils ont un évangile de condamnation. They have a gospel of condemnation. Vous allez aller en enfer. You will go to Hades. Tu t'habilles bien. You dress tu vas aller en enfer. Hades. Tu portes une jupe en genre. You tu vas aller en enfer. Hades. C'est pas de sa faute. It is not his fault. L'amertume. Bitterness. Mm. Et beaucoup de chrétiens and many Christians ont eu l'amertume had bitterness par rapport à la prédication qu'ils ont écoutée. According to the preaching si they ton have listened, pasteur est amer, if your pastor is bitter, il a la haine contre les autres pasteurs, he has hatred against the other pastor, il est aigri, il va t'empoisonner. He will poison you. Tu me regardes à la télé, you're watching on et TV, ton pasteur passe le temps and your pastor spends his time, tel est faux pasteur, saying this one is tel fake, est faux ceci, this one is fake this. Il ne le dit pas de lui-même. He doesn't say it by his own. Il est amer. He is bitter. Je disais à l'école du ministère hier, I was saying to the school of ministry yesterday, dis à quelqu'un saying to someone qui n'a pas cru who didn't believe qu'il ira en enfer, he will go to Hades. Ça veut rien dire. It means nothing. Tu ne prêches pas l'évangile. You're not preaching the gospel. Parce qu'une personne qui n'a pas cru because a person who has not n'ira pas en enfer will not go to Hades. Elle est en enfer. She is already in Hades. Mm.
Une personne qui n'est pas, qui n'a pas cru, a person who has not believed, vit déjà dans l'enfer. Is already living in hell. Et la bonne nouvelle, ce n'est pas de lui parler de l'enfer, is not to talk about c'est the de lui parler du salut. But to talk about et on ne parle pas du salut don't talk about avec amertume. With bitterness. On parle du salut we talk about avec amour. With love. Le contraire, the contrary, ce qui détruit l'amertume, what destroys bitterness, c'est l'amour. Is love. Yes. Donc tu vois quelqu'un, so you see someone, Dieu m'a parlé cette semaine. God talked to me this Je vais week. Vous révéler les sept mystère. I will reveal you the seven pour mysteries. Détecter les faux pasteurs. To detect the seven pastors. Va causer avec lui en off. Go and talk with him. Il y a un pasteur qui l'a énervé. There is a pastor who vexed him. Et maintenant il utilise Dieu m'a dit. Now he uses God told pour venir régler ses comptes. To come and rule. À une seule personne. His problems to il one person. Dieu dedans. And he placed God inside. Si ton pasteur est amer. If your pastor is tu bitter. Tu es empoisonné. You are poisoned. Si ta mère est amère, if your mother is bitter, elle va t'empoisonner. She will poison you. Oh, mais tant que vous ne vous aidez pas, vos hommes qu'on ne vous aide your pas. Your si ta mère you. Te dit ça, if your mother elle said, ne te fait pas du bien. Doing you good. Il y a des secrets, ma mère, ma. There are secrets. Les problèmes que tu as avec ta soeur. The problem you have with your sister. Tu n'es pas obligé de dire à tes enfants. You are not obliged to tell to your children. Beaucoup de mamans ont empoisonné leurs enfants. Many mothers parce qu'elles ont parlé à leurs enfants. Because they talked to des their children avec leur père. About the problem with their father. Laissez que les enfants découvrent. Let the children find ne out. N'appelez jamais les enfants. Never call the children. Asseyez-vous ici. Sit down here. Je vais vous dire alors ce que votre père m'a fait. I will tell you what your father un has jour, done to me. One day. Je suis venu le trouver. I came to find him. Je suis venu le trouver. I came to find him. Il était en train de mélanger les potions. He was mixing potions. Tu es en train de maudire les enfants. You are cursing the children. Ne parle jamais à un enfant de son père. Never talk to the children about c'est the father. C'est une erreur tragique. It is a tragic mistake. Parce que le père, because of father, même s'il s'appelle Noé, even if he's called Noah, si il met la bouche sur l'enfant, even if he puts his mouth on the l'enfant child, l'enfant est maudit. The child is cursed. Madame, il te faut être suffisamment forte. Madame, you need to be strong enough. Pour protéger tes enfants. To protect your children. Ne leur dis pas n'importe quoi. Don't tell them any type of thing. Oh, vos oncles ne m'ont fait du mal. Oh, your uncles have hurt l'oncle, me. L'oncle, l'enfant là, c'est son père. That child, it is a father. Si tu parles mal de l'oncle devant l'enfant, tu maudis l'enfant. If you slander the uncle, you are cursing the child. Quand tu es énervé, when you are angry, retiens ta bouche. Retain your mouth. Quand tu es déçu, when you are disappointed, retiens ta bouche. Be silent. Si tu n'as rien à faire, if you have nothing va to devant do, le miroir. Go before the looking glass. Toi là-bas. Cover yourself mais n'expose there. Pas l'enfant. But do not expose the child. N'expose pas l'enfant. Do not expose the child. La force de Marie. The strength of Mary. Marie ne parlait pas de ses problèmes en rue. Mary was not talking to the problem. En route. The roads. Marie gardait ça pour elle. She was keeping it et for quand herself. Dieu, when God, par la prophétie de l'ange, through the prophecy of s'est the souvenu angel, d'elle. Remember elle dit, her. Dieu, she said, hey God, dans mon sans importance, in my non-importance, dans mon humiliation, in my humiliation, tu t'es souvenu de moi. You remember. Gloire à toi. Glory to your name. Marie, même sa cousine, ne connaissait pas les humiliations qu'elle avait dans son foyer. Even Mary cousin didn't know the humiliation she was facing. Elizabeth dit seulement bienheureuse. Elizabeth just said, tu es bénie. Blessed. You are dans toutes les femmes. Among Elizabeth women. Ne connaissait pas les traumatismes de Marie dans son foyer. She was not knowing the traumatism of Mary in her home. Elise, faites attention. Church, be careful. Faisons attention. Let's be careful. Il y a des choses. There are things. Si vous le dites if you say à vos enfants, to your children, vous allez les détruire. You will destroy them. Parfois, tu dois tout faire pour cacher. At times, you have to do everything to hide. Maman, pourquoi tu es sortie comme ça de la chambre avec l'œil gonflé? Why did you come out of the room? Non, mon fils, j'ai trop dormi. I slept so le sommeil a dépassé les limites. I slept so et en dormant, l'œil a gonflé un peu. By sleeping, my eyes l'enfant slept. Sait que tu mens, mais il va quand même croire parce que maman qui a dit. The child will believe because you mais are il y a des femmes ici. But there are women here. Mon fils, assieds-toi, je vais te dire alors. See that, my son, I will tell you. Ne fais pas ça à ta femme. Do not do it to your wife. Parce que ton père me fait là. But what your father is doing to me. Il me tape comme si. He beats me. Regarde, elle a le pain. Regarde ce qu'il me fait. She removed the loin cloth. Look what she's doing. He's doing. Tu montes et fais ça à ton enfant. You show your buttock to parce your que tu veux montrer que son père est méchant. Because you want to show that your father is wicked. Tu le maudis. You are cursing him. Tu le maudis. You are cursing him. Vous êtes tellement émotifs, vous les femmes. You have some feeling with men. Mon ami. My friend. Portez Jésus là. Jesus. Marie avait une qualité. So via Jesus, Mary had a quality. Ses douleurs. A pain. Ses traumatismes. A traumatism. Elle gérait ça avec Dieu. She was managing it with God. Elizabeth, sa cousine, ne connaissait pas. Elizabeth, her cousin, didn't know. Tu veux qu'on te dise ce que les femmes des ministres vivent? Do you want us to tell you what the wife of ministers are les living? Les femmes des grands. Wife of great men. Les serpents qu'elles voient dans la maison. Snakes they see in the house. Combien d'elles viennent parler dans les radios? How many of them are talking to radio? Les serpents qu'elles voient dans la maison. Snakes they are seeing in houses. Ah.
Vous voulez être avec les grands. You want to be with greats. Pratique là. Practice. Vous connaissez qui est dans leur maison. You know what exists in their houses. C'est leurs femmes qui connaissent leurs secrets. Their wife know their secrets. Oh, je me connecte à l'onction des ministres. I connect myself to the anointing of ministers. Je me connecte à l'onction des présidents. To the anointing of presidents. Je dis, I say. Tu peux supporter. Can you support? Comme tu bavardes comme la pile là. As they're talking. Tu bavardes comme le perroquet là. You are talking like the parrot. Tu peux supporter? Can you support it? Le moustique te pique, tu dis. The mosquito bites you, le cafard passe, tu dis. The cockroach passes. Maintenant, quand you tu vois le serpent dans la maison, tu vas faire comment? Now, when you see this thing, how will you do? Fais attention, hein. Pay attention, hein. Ah, vous voyez les grands, ils font comment? You say great. How do c'est they facile do? Là-bas. It is easy there. Demandez-les, on vous dit. Ask them, they will tell you. Quand tu vois une femme, when you see on avait un professeur de sciences au lycée bilingue. You had a teacher of science in the bilingual school. Elle aimait donner les conseils aux filles. She was loving to mes give filles, advice. N'aimait pas les hommes. Not love mes filles, my le Seigneur a fait ceci. The Lord has mes done filles, my daughter, mes filles, my daughter, mes filles. On l'appelait la mère. She was called the mother. Eux l'appelaient madame, on l'appelait la mère. She was called the mother. Et un jour, one day, on a nommé son mari au gouvernement. The husband was appointed. Quelques semaines après, some week later, le langage de la mère a changé. Her language changed. Maintenant, elle disait, now she was saying, mes filles, my daughter, soyez sages. Be wise. Quand quelqu'un dit soyez sage, when someone tells you be wise, le dehors l'a mordu. She was elle était plus agressive avec les conseils. She was no longer aggressive with the advices. Elle a vu. She parce saw. Que dans cette affaire, because in the matter, quand le monsieur entre, when the man comes il fait entrer sa femme. He brings a wife. Tu veux pas entrer? You don't want to get in. Tu pars. You go. Il va prendre la fille qui est courageuse pour entrer dedans. He will take the courageous girl to enter. Il y a des femmes là dehors. There are women out there. Ce n'est qu'au pasteur comme nous là qu'elles ouvrent la bouche pour parler. They open their mouth only to before. Mais quand pastors, tu regardes, when you look at her, oh, tu es la femme de excellence. Oh, you are the wife of the excellence. Mon ami, my friend. La nuit, the night. Elle est la femme du python. She's the wife of the python. Oui, oui. Yes. Elle couche avec le python. She has sex with the python. C'est ça qui lui donne le pouvoir. That's what gives the power. Tu t'exclames, tu savais pas ça. You exclaim, you didn't know it. Parfois dans ta pauvreté là, at time in your poverty, n'envie pas certaines personnes. Not envy some people. Ne convoite pas certaines do personnes. Do not covet some people. Marie dit. Mary says. Une femme sans importance. A woman without importance. Dieu s'est souvenu de moi. God remembered me. Lis. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Yes. Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. All generations will call me blessed. Ça veut dire qu'avant, it means before, toutes les générations disaient malheureuse. All the generations were saying cursed. Mara. Mara. Avant, elle était malheureuse. Before, she was cursed. Mais Dieu, but God, a fait un miracle. He performed a miracle. Elle avait été empoisonnée. She was poisoned. Par l'étoile absente. By the star wormwood. J'ai envie de conclure ce matin. I want to conclude this morning. Elle avait été empoisonnée par l'étoile absente. She was poisoned by the wormwood. Mais Dieu, but God, pour la libérer, to release her, a mis dans son ventre, placed in the womb, l'étoile brillante du matin. The brilliant yes. Star of the morning. Quand l'étoile absente vient t'empoisonner, when the star wormwood comes to poison, Dieu doit te mettre en contact avec l'étoile brillante du matin. God must connect you with the parce brilliant star que dans of the morning. Le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle la guerre des étoiles. Because the spiritual world is what quand we call absente war. Est tombée pour empoisonner les eaux, when wormwood fell to poison water, pour que les eaux soient restaurées, for the water to be restored, pour que les eaux soient délivrées, for the water to be healed, il faut qu'il y ait confrontation, there must be a confrontation entre l'étoile absente between the wormwood et l'étoile brillante du matin. And the shining star. Et l'étoile brillante du matin, c'est Jésus. And the shining star quand is ta Jesus. Vie est empoisonnée, your life is quand poison. Ta vie est dans la merde, quand ta vie est dans les problèmes, your life is in la problem. Seule joie, the only joy. La seule paix, the only la seule restauration, the only restauration. La seule libération est possible en rencontrant l'étoile brillante du matin. Quand l'étoile absente vient dans ta vie, elle emporte les ténèbres. Quand l'étoile brillante du matin vient dans ta vie, elle apporte de la lumière. Quand l'absente vient dans ta vie, elle apporte la pauvreté. Quand l'étoile brillante du matin vient dans ta vie, il restaure la richesse. Je ne connais pas ce que l'absente a imposé dans ta vie, mais laisse-moi te dire, cette semaine qui commence, l'étoile brillante du matin est disponible pour toi pour restaurer ta bénédiction, pour restaurer ton honneur, pour restaurer ta gloire, pour restaurer ta destinée. Oui, tu as vécu dans la merde. Tu as vécu, tu as empoisonné.
mais je déclare l'antidote du poison est disponible pour toi. Je prophétise, je prophétise par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, toute racine d'amertume, toute racine d'amertume dans ta vie, dans ta vie sera déracinée. Je prophétise, si tu es amer à cause de la pauvreté, si tu es amer à cause des échecs répétés, si tu es amer à cause du célibat, les enfants des autres se marient, mais pour vous il n'y a rien. Ça t'a rendu amer. Je prophétise cette semaine, cette semaine, cette semaine, cette semaine, la médecine sera arrachée, absinthe sera consumée. Je prophétise, je prophétise par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, tu ne seras plus amer. Tu ne seras plus amer. Tu ne seras plus amer. Je déclare by fire, by force, by fire, by force, tu ne seras plus amer. Tes enfants seront libérés. Amen. Tes frères seront restaurés. Amen. Ta famille sera libérée. Amen. Je déclare par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, tout ce qui t'a rendu amer, tout ce qui a rendu ta famille amer, tout ce qui a rendu tes enfants amer, je brise ça au nom de Jésus. Amen. Je brise ça au nom de Jésus. Amen. Tu perds au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Tu perds au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que toute racine d'amertume, que toute racine d'amertume dans ma vie, dans ma vie, prenne feu ce matin. Prenne feu ce matin. Toute racine d'amertume, toute racine d'amertume dans mes projets, dans mes projets, dans mon cœur, dans mon cœur. Prenne feu ce matin. Prenne feu ce matin. Père au nom de Jésus. Père au nom de tout Jésus. Tout ce qui a mis l'amertume dans mon cœur. Tout ce qui a mis l'amertume dans mon cœur. Que ce soit les blocages. Que ce soit les blocages. Non accomplissement. Non accomplissement. Célibat. Célibat. Pauvreté. Pauvreté. Misère. Misère. Échec. Échec. Prenne feu ce matin. Feu ce matin. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. Toute racine d'amertume. Yes. 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 Ce matin. Ce matin. Yes. Ce matin. Yes. Ce matin. Yes. Ce matin. Yes. J'ai besoin de t'en toucher. J'ai besoin de ta grâce. Touch me one more time. Oui, 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 oui. Oh, Lord. Que tu le reçues. Touch me one more time. Que tu le reçues. Que tu le reçues ce matin. Que tu le reçues dans tes tubes. Que tu le reçues dans ce sein. Touch me. Dans ton cœur. Dans ton âme. Dans ton esprit. Sois que tu ce matin. Sois le reçu de ce matin. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de déclarer. C'est par moi ce matin que tout rejeton qui produit à toi l'amertume, que tout rejeton qui produit à toi l'amertume, au nom de Jésus. Ah, ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Ne t'arrête pas de prier. Jésus. Père au nom de Jésus. Par le bien, Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Tout Père au nom de Jésus. Père au nom de Jésus. Que toute racine d'amertume. Que toute racine d'amertume. Que toute racine de poison. Que toute racine de poison. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Qui m'empêche de prospérer. Qui m'empêche de prospérer. Qui m'empêche d'avancer. Qui m'empêche d'avancer. Qui m'empêche de réussir. Qui m'empêche de réussir. Qui m'empêche de procréer. Qui m'empêche de procréer. Sois brisé ce matin. Sois brisé ce matin. Pendant que je prie. Pendant que je prie. En claquant les mains. Ah.
marié. Quel tu seras ce matin. Quel tu seras ce matin. Au nom de Jésus. Quel tu seras ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Quel tu seras ce matin. Toutes les racines qui t'empêchent de prospérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Écoute, Église. Potiphar savait que Joseph devait être appelé à être au-dessus de lui. Et pour empêcher à Joseph d'arriver à côté de Pharaon, Potiphar a voulu mettre l'amertume dans son cœur en manifestant l'injustice contre Joseph. Mais Joseph, même en prison, a gardé l'amour. Je vais prier pour toi maintenant. Il y a des gens dans ta famille qui, quand tu es né, ils savaient que c'est toi. Ils savaient que pour toi brille tellement. Et mais Dieu les a mis au-devant de toi, avant eux. Pas pour les combattre, pas pour les haïr. Mais eux, ils ont commencé à te détester, à s'opposer à toi, à t'humilier, pour que tu aies la haine. Pour t'empêcher de monter. Église, ma prière pour toi ce matin pendant que tu lèves tes mains. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Si la maîtrise t'a maintenu en arrière. Si la maîtrise t'a freiné. Si la maîtrise t'a limité. Yes. Je déclare. Yes. Ce matin. Yes. Ce matin. Yes. Tu reprends ta vraie place. Amen. Je prophétise. Yes. Même si c'est ton géniteur qui a créé la maîtrise dans ton cœur. Même si c'est ton père, c'est ta mère qui a créé la maîtrise dans ton cœur. Moi je prophétise. Yes. Moi je prophétise. Yes. Moi je prophétise. Yes. Ce matin. Yes. Ce matin. Yes. La maîtrise te quitte au nom de Jésus. Amen. La maîtrise te quitte au nom de Jésus. Amen. J'enlève la maîtrise. Yes. Que ton patron. On a fait trop de mauvais rapports sur toi au lieu de service. Et ça t'a énervé. Et tu as la haine contre les gens. C'est pas ce que Dieu t'a prescrit. C'est pas ce que Dieu t'a dit. Il t'a dit d'aimer. Yes. Il t'a dit d'aimer. Yes. Il t'a dit d'aimer. Yes. Et ce matin, yes, parce que tu commences à aimer, yes, je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Une notion te transporte. Yes. Une notion te transporte. Yes. À ta vraie place. À ta vraie place. Amen. À ta vraie place. Amen. Mardoché n'a pas détesté Aman. Et Mardoché a pris la place d'Aman. Yes. Je prophétise. Yes. Si Aman de ta vie, toute personne qui a fait les complots contre toi, contre ta mère, dont tu as vécu des choses, ta mère a été humiliée, ta mère a été rejetée, ta mère a été combattue, et ça t'a mis la haine dans le cœur. Et tu as décidé de te venger. Je prophétise ce matin. Yes. Tu ne te vengeras pas. Mais Dieu va t'élever. Amen. 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 Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Dieu t'élèvera. Dieu t'amènera dans la grandeur, dans la hauteur, dans la bénédiction. Je déclare par l'onction de Dieu. Je déclare par la puissance de Dieu. Ta place. Ta place, yes, tu vas l'occuper. Amen. Tu vas l'occuper. Amen. Tu vas l'occuper. Amen. Tu vas l'occuper. Amen. Je prophétise. Yes. Aussi vrai que Joseph soit passé par la prison, mais Dieu l'a élevé. Je déclare tout Potiphar de ta vie, la femme de Potiphar, elle tombe ce matin. Elle tombe ce matin. Elle tombe ce matin. Yes. Elle tombe ce matin. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Par le son de Dieu, par la puissance de Dieu. Tous ceux qui combattaient ton élévation, ceux qui combattaient ton avancement, yes, tu les connais, yes, parce que Dieu t'a parlé. Mais je déclare, yes, mais je déclare, yes, l'Éternel combattra pour toi. Amen. Je prophétise. Yes. À partir de maintenant, tu n'ouvriras plus la bouche. Yes. Tu ne parleras plus d'eux. Mais l'Éternel combattra pour toi. Amen. L'Éternel combattra pour toi. Amen. Je prophétise. Yes. Celui qui a juré. Pas d'enfant. Pas d'enfantement. Pas de stérilité. Par l'onction de Dieu. Yes. Il tombe. 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 Je parle à quelqu'un. Yes. Je parle à quatre personnes. Quatre personnes. Tu vas enfanter.
Yes. Par la vertu de Jésus. Yes. Par la vertu du Saint-Esprit. Yes. Tu vas enfanter. Tu vas enfanter. Ton miracle viendra. Yes. Sa bénédiction se manifestera. Yes. Sa grandeur sera au rendez-vous. Yes. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. Marie. Hey. La rejetée. Hey. Marie. Mmh. L'humiliée. Yes. Est devenue. Hey. La bienheureuse. Bienheureuse. Je déclare ce. Yes. Je déclare ce matin. Yes. À cause de ton élévation. Yes. À cause de ta nomination. Yes. À cause de ton mariage. Yes. On t'appellera le bienheureux. Amen. La bienheureuse. Amen. Je prophétise. Yes. Dans la vie de 24 personnes. 24 personnes. 24 personnes. 24 on personnes. On t'appellera la bienheureuse. Amen. On t'appellera le bienheureux. Amen. C'est l'onction là qui vient sur toi maintenant. Maintenant. C'est l'onction là qui vient sur toi maintenant. Maintenant. L'onction de Dieu. Reçois. L'onction de Dieu. Reçois. L'onction de Dieu. Reçois. La Bible déclare. Yes. Les fils de la délaissée. Hey. Seront plus nombreux. Yes. Seront plus nombreux. Hey, hey. Seront plus nombreux. Hey. Puissance de Dieu. Rompu. Puissance de Dieu. Rompu. Puissance de Dieu. Rompu. Maintenant. Rompu. Maintenant. Rompu. Maintenant. Rompu. Lève tes mains. Lève tes mains. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. L'humiliation qu'on t'a imposée. Hey. Je déclare. Yes. Retour à l'envoyeur. Retour. Retour à l'envoyeur. Retour. Retour à l'envoyeur. Retour. Pendant que je parle. Yes. Je parle à quelqu'un. Yes. Je déclare. Hey. L'humiliation. Hey. Imposa ta main. Hey. Oh, je déclare. Yes. On a imposé l'humiliation à ta mère. Hey. Et toi, tu subis ça. Yes. On avait maudit ta mère. Hey. Et toi, tu subis ça. Hey. Je te libère. Libère. 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 Puissance de Dieu. Libère. Puissance de Dieu. Libère. Libère son étoile. 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 Libère. Je prophétise. Yes. By fire. By force. Ce matin. Hey. Toute humiliation. Hey. Qu'on t'a imposé. Hey. J'annule. Annule. L'amertume, annulé, 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 poison, annulé, échec, annulé, bon accomplissement, annulé, 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 je déclare, yes, aucun sentiment d'amertume, oui, ne va prospérer dans ton cœur, jamais, mais l'esprit de Dieu te dit, yes, l'esprit de Dieu te dit, yes, tu vas gouverner, amen, tu vas régner, amen, tu vas dominer, amen, je parle à quelqu'un, yes, tu vas régner, amen, l'esprit de règne. L'onction du règne. Yes. Tombe sur 22 personnes. Maintenant. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Dans ta génération. Yes. Tu vas régner. Amen. Parmi tes frères. Tu vas régner. Et je parle à quelqu'un. Hey. Tu es comme Joseph. Hey. Tu vas régner. Tu vas régner. Tes frères l'ont vendu. Hey. Amenez-les ici. Hey. Puissance de Dieu. Alors, ses frères l'ont vendu. Hey. Ses frères l'ont vendu. Hey. Ses frères l'ont vendu. Yes. Et il a régné. Yes. Parmi ses frères. Parmi ses frères. Yes. Parmi ses frères. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Tu vas régner. Tu vas régner. Je parle à quelqu'un. Yes. Je parle à quelqu'un. Hey. Tu vas régner. Tu vas régner. Tes propres frères. Hey. Oh, je parle à quelqu'un. Hey. Tu es dans un foyer polygamique. Yes. Les enfants de la coépouse. Hey. Vous dominent. Hey. La coépouse de ta mère. Hey. Vous méprisez. Hey. Vous maudissez. Hey. Ce matin. Yes. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. Dans cette maison. Hey. Tu vas régner. Amen. Dans cette famille, tu vas régner. Amen. Je déclare. Yes. Par l'onction de Dieu, tu régneras. J'ai dit tu régneras. Tu es un roi. Tu es un roi. Tu es un roi. Je prophétise. Yes. Lève tes mains, église. Lève tes mains. Je déclare. Yes. By fire. By force. By fire. By force. Tu vas régner. Tu vas régner. Je que je sais. Yes. Te fera régner. Régner. Financièrement. Tu règnes. Je parle à 8 personnes. 8 personnes. Tu vas régner dans les finances. Amen. Dans les finances. Tu règnes. 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 Dans les affaires. 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 Tu règnes. Puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Localise. Tu vas régner. Tu vas régner. Je parle à 12 personnes. 12 personnes. Dans les affaires. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Dans les affaires. Tu règnes. Dans le commerce. Tu règnes. Je déclare. Yes. By fire. By force. Tombe sur toi. Maintenant. Tu es localisé. Hey. Tu es localisé. Localisé. Dans les affaires. Tu es localisé. Tu vas régner. 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 J'ai dit tu vas régner. Tu vas régner. Reçois. Reçois. Anointing. Reçois. Holy Ghost. Receive. Fire. Receive. Reçois. Receive. Reçois. Reçois. Tu vas régner. Tu vas régner. Oh, je déclare. Yes. Parmi tes frères. Hey. Je mélange tous tes frères. Yes. Tu vas régner. Amen. J'ai dit tu vas régner. Tu vas régner. Reçois. Reçois. Prends.
reçois. Prends. Maintenant. Prends. Maintenant. Prends. Maintenant. Prends. Maintenant. Prends. Maintenant. Prends. Maintenant. Reçois. Maintenant. Reçois. Maintenant. Tu vas régner. 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 Yes. 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 Reçois. Maintenant. Onction de Dieu. Reçois. Onction de Dieu. Reçois. Onction de Dieu. Reçois. Onction de Dieu. Reçois. 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 Tu vas régner. Yes. Tu vas régner. Yes. Puissance de Dieu. Repli. Maintenant. Repli. Onction de Dieu. Repli. Tu vas dominer. Yes. Dominer. Yes. Dominer. Yes. Dominer. Yes. Dominer. Yes. Dominer. Yes. J'entends Dieu me parler. Tu procéderas. Yes. La porte de tes ennemis. Amen. Tes ennemis compteront sur toi. Yes. Pour manger. Là viendra. Je parle à quelqu'un. Yes. C'est toi qui vas nourrir tes anciens ennemis. C'est toi qui vas les nourrir. Yes. Ils n'auront plus d'autre choix. Yes. C'est toi qui vas les nourrir. Amen. Je prophétise. Yes. Je prophétise. Yes. By fire. By force. By fire. By force. By fire. By force. Je te libère. Libéré. 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 Tu vas régner. Tu vas régner. Tu vas régner. Yes. 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 Celui tu vas régner. Yes. Celui tu vas régner. Yes. Celui tu vas régner. Celui tu vas régner. Yes. Puissance de Dieu. Local. Libère. 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 Fire. Fire. Lève tes mains là-bas. Yes. Je déclare. Yes. Ce matin. Tu régneras. Amen. Tu avanceras. Amen. Tu domineras. Amen. Puissance de Dieu. Je déclare. Yes. Salution de Dieu. Yes. Lève tes mains bien. Ce matin. Yes. Le poison. Sera détruit. Mettez le poison. Yes. Sera arrêté. Maintenant. Le poison. Yes. Sera brisé. Je te libère. Libéré. Je te libère. Libéré. Je te libère. Libéré. Avec tes enfants. Libéré. Vous allez régner. Amen. Avec tes enfants. Yes. Vous allez régner. Amen. Vous allez régner. Amen. Vous allez régner. Amen. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Vous allez régner. Vous allez régner. Yes. Vous allez régner. Yes. Je parle aux enfants de ta mère. Les enfants de ta mère vont régner. Yes. Les enfants de ta mère vont régner. Yes. Les enfants de ta mère vont régner. Yes. Reçois. 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 Maintenant. Reçois. Jesus. Reçois. Onction. Reçois. Saint-Esprit. Rempli. Puissance de Dieu. Rempli. Descends. Reçois. Descends. 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 Tu vas régner. 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 Je prophétise. Yes. Tu vas régner. Tu vas régner. Lève tes mains. Je déclare. Yes. Par l'onction de Dieu. Yes. Par la puissance de Dieu. Yes. Ce matin. Yes. Ce matin. Yes. Le poison qui t'a limité. Le poison qui t'a freiné. Le poison qui t'a arrêté. Je détruis ce poison. Amen. J'annule ce poison. Amen. Je révoque ce poison. Amen. Je brise ce poison. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Par l'onction de Dieu. Yes. Par la puissance de Dieu. Yes. Par l'autorité de Dieu. Yes. Vous êtes libérés. Amen. Vos enfants libérés. Amen. Vos frères libérés. Amen. Vos soeurs libérés. Amen. Libérés. 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 Lève tes mains là-bas derrière. Yes. Je prophétise. Yes. Esprit de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. L'heure est venue. Yes. L'heure est venue. Yes. Je parle à tous les enfants de ta mère. Yes. Je parle à tous tes enfants. L'onction de bénédiction. L'onction de bénédiction. L'onction de bénédiction. L'onction de bénédiction. Maintenant. Maintenant. Viens localiser. Localiser. Je parle à 14 personnes. 14 personnes. 14 personnes. 14. 14 personnes. 14. Saint-Esprit. Localise. 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 Saisis-les. Saisis. Saisis-les. Saisis. Saisis-les. Saisis. Saisis-les. Saisis. Saisis-les. Saisis. Saisis-les. Saisis. My God. My God. Ça a commencé. Maintenant. Ça a commencé. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Puissance de Dieu. Localise. Jesus. 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 Lève seulement tes mains. Tu es localisé ce matin. Tu vas prospérer. Le poison va s'arrêter. Amen. L'amertume va s'arrêter. Amen. L'échec va s'arrêter. Amen. La mort va s'arrêter. Amen. Tes enfants libérés. Libérés. Tes frères libérés. Libérés. Tes soeurs libérés. Libérés. Tes ministères libérés. Libérés. Tes finances. Libérés. Tes finances. Libérés. Tes finances. Libérés. Tes projets. Libérés. Tes projets. Libérés. Ton commerce. Libérés. Ton travail. Libérés. 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 Fire. Fire. Lève ta main ce matin. Oh, 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 oh.
pour adorer Dieu ce matin. Je déclare par l'onction de Dieu. Tu es resté longtemps sur place à cause de l'amertume, de l'absinthe. L'absinthe t'a rendu amer. L'absinthe t'a rendu amer. Il a réussi à te toucher. Il a réussi à contrôler tes sentiments et tes émotions. Mais je déclare ce matin, l'amertume quitte ton cœur au nom de Jésus. Amen. Tu vas aimer même tes ennemis. Amen.
tu vas aimer ceux qui t'ont combattu. Amen. Et pendant que tu vas les aimer, Dieu va te mettre au-dessus d'eux. Amen. Pendant que tu vas les aimer, Dieu va te faire monter au-dessus d'eux. Amen. Je prophétise. Yes. Dieu t'élèvera comme Joseph. Amen. Joseph a été combattu par ses propres frères. Les propres frères de Joseph l'ont vendu. Je parle à quelqu'un ce matin. Yes. Si tu as été vendu dans ta famille, si tu as été liquidé dans ton entourage, je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Je déclare par l'onction de Dieu. Yes. Oh, Dieu me parle d'une personne. Ils pouvaient te payer l'école, ils ont refusé. Ils pouvaient te faire voyager, ils ont refusé. Ils pouvaient te donner le travail, ils ont refusé. Et tu as gardé rancune à cette personne. Ma prière pour toi ce matin. Yes. Dieu te nettoie son cœur. Amen. Dieu nettoie ton cœur. Amen. Dieu purifie ton cœur. Amen. Dieu libère ton cœur. Amen. Tu vas les aimer. Amen. Et Dieu va t'élever. Amen. Tu vas les aimer. Yes. Et Dieu va t'élever. Amen. Tu vas pardonner. Yes. Et Dieu va te restaurer. Amen. Je prie pour toi ce matin. Yes. Tu pardonnes à tes ennemis. Amen. Même à ton géniteur. Yes. À celle qui t'a enfanté. Yes. À celui qui t'a élevé. Yes. Il t'a maltraité. Mais Dieu te donne la force. Reçois la force pour pardonner. Yes. Reçois la force pour pardonner. Yes. Reçois la force pour pardonner. Yes. Je prie ce matin. Yes. Je prie ce matin. Yes. À plusieurs reprises, on t'a dit d'où viennent tes problèmes. Tu connais son nom. Tu connais cette personne. Et tu n'arrives pas à pardonner. Tu aimes cette personne. Mais tu as du mal. Mais tu as du mal à pardonner. Ce matin, yes. L'étoile brillante du matin va briller dans ton cœur. Amen. Va briller dans ton cœur. Amen. Va briller dans ton cœur. Amen. Reçois la capacité. Yes. De pardonner. Amen. Reçois la capacité. Yes. D'oublier. Amen. Reçois la capacité. Yes. De surmonter ce problème. Amen. Toi et ta famille. Yes. Libéré. Libéré. Toi et tes enfants. Libéré. 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 Oh, quelqu'un t'a maudit. Quelqu'un t'a maudit en face. Quelqu'un t'a maudit en face. Quelqu'un t'a maudit en face. Et tu n'oublies pas jusqu'à présent. Yes. Tu gardes dedans à la personne. Je prophétise. Yes. Cette malédiction est annulée au nom de Jésus. Amen. Et tu pardonnes à la personne. Amen. Tu oublies ça. Amen. Je déclare. Yes. Dieu libère ton cœur. Amen. Dieu élargit ton cœur. Amen. Dieu élargit ton cœur. Amen. Dieu élargit ton cœur. Amen. Tu aimes davantage. Amen. Tu soutiens davantage. Amen. Tu aides davantage. Amen. Tu conseilles davantage. Amen. Tu bénis les gens davantage. Amen. Je prophétise. Yes. À partir de maintenant, tu ne maudiras plus tes ennemis. Amen. Pendant que tu vas les bénir. Yes. Tout ce qu'ils ont dit contre toi, retourne contre eux. Amen. Je prophétise sur toi ce matin. Yes. Tu reçois le son d'Abraham. Dieu a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Yes. Je déclare. Yes. Je déclare. Yes. Personne ne peut te maudire et ça marche. Personne ne peut te maudire et ça marche. Amen. Personne ne peut te maudire et ça marche. Amen. Personne ne peut te maudire et ça marche. Amen. Si quelqu'un te maudit, je prophétise. Yes. Retourne à l'envoyeur. Retourne. Si quelqu'un maudit ton enfant, yes. Retourne à l'envoyeur. Retourne. Si quelqu'un maudit tes parents, yes. Retourne à l'envoyeur. Retourne. Si quelqu'un maudit ton frère ou ta soeur, yes. Retourne à l'envoyeur. Retourne. J'appelle de la grâce. Yes. Si quelqu'un te maudit, retourne à l'envoyeur. Retourne. Si quelqu'un te maudit, retourne à l'envoyeur. Retourne. Tu es béni. Amen. 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 Cette semaine, yes. L'absinthe, le poison, Mara, l'amertume, yes. Quitte ta vie. Amen. Lâche ta vie. Amen. Libère ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Dis amen bien. Amen. Dis amen bien. Amen. Mon premier est le salut. Mon second, la transformation. Mon troisième, la gloire. Mon tout est la chapelle de la grâce. Bienvenue à la chapelle de la grâce. Tu cherches un lieu de culte où le nom du Seigneur est invoqué en esprit et en vérité. Tu veux grandir dans ta foi selon la parole de Dieu. Tu es fatigué d'aller d'église en église. Tu recherches le miracle authentique au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la Chapelle de la Grâce. La Chapelle de la Grâce est un lieu de transformation de destinée au travers de la parole vivante. Viens adorer le Seigneur avec nous dans un cadre paisible et glorieux où la beauté et l'esprit ne font qu'un.
Tout ceci au travers d'un homme qui a été mandaté et oint par le Seigneur Jésus-Christ pour changer ta destinée. Le major de sa génération, le révérend pasteur Paul Zhang. Alors, joins-toi à nous afin d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ. Nos jours de culte sont les suivants. Mercredi, culte d'enseignement et d'impact, 16h-20h. Jeudi, culte de puissance et de délivrance, 16h-20h. Vendredi, apothéose d'onction de délivrance et de guérison, 16h-20h. Dimanche, grand culte de célébration, de louange et d'adoration, de 9h à 12h. La chapelle de la grâce est située en Gousseau, fin cimetière, derrière la station Petrolex. Infoline 663 33 33 31. Yes! Chapelle de la grâce. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de disgrâce. Ah oui.